Bonjour à tous, c'est KMLF, on est sur Unturn dans la nouvelle version évidemment. Et il y a une nouvelle map les enfants, il y a une nouvelle map, vous vous rendez compte, elle s'appelle Yukon. Alors j'y ai rapidement jeté un oeil mais je vais plus la découvrir avec vous. Donc c'est parti. Et d'ailleurs il y a Ninja, alors je sais pas si vous l'entendez. Si non, jamais... vous l'entendez pas parce que vous êtes trop con. Bon, alors j'ai remarqué par contre c'est qu'en fait apparemment il y a des dégâts de froid. Et je t'emmerde, Ninja. Ah, une motoneige. Il y a une motoneige. On va choper la motoneige. Oh putain, oui, on peut prendre la motoneige. Oh, ça déchire. Je viens de rouler sur un russe ou je sais pas quoi avec ma motoneige. Je suis en train de prendre des dégâts de froid, en fait. C'est pas cool. C'est pas cool du tout. Prends ça dans ta gueule. Wouhouhou. Ah, il meurt pas cet enfoiré. Ah, il est mort. Par contre, je vais crever. J'ai déjà plus que 70%, 60% de vie. Les dégâts de froid font vraiment mal en fait. Ah. Bah apparemment, bon, j'ai enfin un pantalon parce qu'en fait j'étais techniquement à poil parce qu'on démarre le jeu à poil. Ah, un sac à dos. Ah, un flingue. Putain, je viens de trouver un double coup. Direct, dès le début de jeu. Pas de suspense. Hop, un lit, à l'aise. Des cartouches de Hawkhound. Bon, alors, comme je prends des dégâts de froid, je vais prendre la motoneige et essayer de me grouiller de trouver un pull. Parce que j'ai un pantalon, mais j'ai toujours le cul à l'air. Donc c'est un nouveau truc, parce qu'il n'y avait pas ça avant dans l'autre map, dans l'autre l'île de paille. Si je me souviens bien, c'était bien ça le nom, hein, j'ai l'île de paille, je crois, je sais plus. En tout cas, sur l'ancienne map, on n'avait pas des dégâts de froid. Ouais, c'était l'île de paille. Ouais, je t'emmerde. Mais là, c'est le, on a direct les dégâts de froid en arrivant. C'est peut-être réaliste, mais c'est naze, cette idée de dégâts de froid, là, comme ça. Hop, il n'y a pas un... C'est que l'histoire elle se passe au Canada quoi normalement. Ah ouais ouais. Ah ben je viens encore de trouver un flingue et tout ça, un flingue de chasse et tout, des cartouches mais pas de pull. Ah oh, une scie, ça c'est pratique une scie. Une scie c'est toujours pratique. Bon je reprends ma motoneige. Putain il me reste plus que... Je vais crever. Il me reste plus que... Il me reste 30% de vie, je vais crever en live là pour ma première partie dans le Yukon. Putain, je hais le Canada. C'est dit. J'ai rien contre les Canadiens, mais Ah bah on est deux. Non, je rigole. Ouais, non, fais gaffe, on va se faire tuer là. Il faut absolument que je trouve des fringues. Non, mais ah, génial. Je suis dans le bord de la map. Ma motoneige vient de buter contre un mur invisible, c'est très réaliste. Putain, quoi. Torse poil dans le Canada, comment mourir? Il me reste 20% de vie, ouais, je vais mourir. Bon, bah, si jamais je suis à deux doigts de mourir, je tirerai au moins avec mon double coup pour le plaisir de tirer une fois. T'avais pas eu des bugs, toi, d'ailleurs, avec le double coup dans l'ancienne version du jeu? Si, c'était quand tu combinais avec le craft des jumelles et tout ça. Ah, ouais, ouais. Bon, je viens de trouver une grange. C'est peut-être la même que tout à l'heure, oui, je pense. Je vais mourir dans cette grange. Bah, pour le plaisir, je vais tirer avec le double coup sur mon scooter de neige. Boum! Vite! Je m'équipe du fusil de chasseur que j'ai trouvé et je dégomme ma motoneige. Et voilà, je suis mort! Waouh! Mais quelle mort épique! Et le scooter de neige qui explose. Allez, on respawn! Oh mec, je viens carrément de respawner au milieu d'un lac congelé, quoi, ce coup-ci. Allez, hop! Directement, je suis endommagé par le froid. C'est un bateau? Oh non, c'est pas l'utiliser, il est congelé. Putain, il y a un zombard qui est déjà là, faut que je trouve un pull. Allez, YOLO H24, j'en ai rien à foutre des zombards, je me brouille de rentrer dans la baraque, il y a peut-être un pull qui traîne. Une scie, un flingue. Wouh! Quickscope! Ça va sauver les biches! Ah, un futal. Ouh putain, ouh putain, ouh putain! Meurs, zombie! C'est ma dernière balle! Ouh, j'ai eu chaud. Une hache, des jumelles. Ça fait beaucoup de putain dans un. Je suis toujours aussi poli, moi. Bon, ben j'ai toujours que des futales. J'ai pas de pull. Aucun des mobs ne veut me donner sa chemise. Ah! Une autre motoneige. Alors, on reprend la motoneige. C'est trop cool. Je trouve des motoneiges partout.
Mais pas de fringues. Donc en fait, au Canada, on trouve plus de motoneige à voler que de vêtements. C'est super. C'est pour éviter les voleurs, justement, ils meurent de froid. T'insinues qu'ils sont trop bons pour s'acheter des habits. Non, ils sont assez riches pour s'acheter des motoneiges, mais pas des fringues. Ah, un bonnet! Oui, un bonnet! Ah, une Ouais, chemise! donc tu dis qu'ils sont cons, quoi. Ah, mec, c'est bon, j'ai enfin trouvé une chemise, donc ça va me. Ah, bah, j'ai un pull maintenant. Ah, c'est cool! Je vais arrêter de mourir! Missing space. Vous aussi suivez l'aventure de KML et Flo Clodo. Bah voilà, on a le titre de la partie, c'est KMLF le clochard. En plus, je trouve que de la nourriture pourrie. Au sens figuré, hein. Clodo, mais il est. Clodo MLF, mais je t'emmerde. Bah voilà, donc j'ai une Bah du motoneige coup, et un là, je crois que tu fusil. t'as pas d'habits. Alors avec ça, il y a un nouveau fusil de chasse et des motoneiges, c'est fun, c'est cool. Boum! Tu meurs! Le mec, il est coincé sur ses bouts de neige, quoi. Oh Alors qu'il faut mec, que j'y chasse pour les j'adore. motoneiges. Tu butes un zombard, il te lâche un putain de flingue de dingue. Super stylé. En fait, il y a plein de nouveaux guns. Le Hawkhound. Il y a plein de types de fusils de chasse dans cette nouvelle map, apparemment. C'est la thématique, c'est la chasse. Enfin, au moins, j'ai des vêtements maintenant. J'ai volé des Ah, c'est vêtements le dans Canada. une. J'ai volé des vêtements dans une maison. Donc, le clochard est entré par effraction avec sa La motoneige en noise. pulvérisant la façade. Et j'ai volé tous les vêtements d'un pauvre homme qui était peut-être en train de prendre sa douche ou de se palucher dans un coin. Un village. J'espère que ce n'est l'un ni l'autre. Oh, c'était beau. J'ai lancé ma motoneige en plein dans un chien zombie. Parce que oui, il y a des chiens zombies dans cette nouvelle mise à jour, pour ceux qui auraient vu ma dernière vidéo. Jay, tu ne le savais peut-être pas, toi, par contre. Ah, un futal noir, mais il Les est. chiens zombies. Ouais, en fait, c'est des zombies normaux, mais ils se trimballent à quatre pattes et Moi je suis flic. ils galopent comme des clébards. C'est trop marrant. T'as aucun respect pour ce genre de mob, hein, quand tu le vois arriver vers toi. Qui est quoi? Ah, un autre flingue. Limite, je vais vider le Oh chargeur non, de tu. celui-ci. Tac, et je vais prendre l'autre, qui au passage est dans un moins bon état que le mien et a pas de balles. Ça valait vraiment la peine. Ça, c'est une idée de merde. Je le balance et je reprends mon ancien. Ah merde, j'ai même pas pris les munitions dedans. On s'en fout, y a qu'une balle. Ah, en mode bourrin. Ah, j'ai encore trouvé un double coup. C'est chum. Il y a des doubles coups. En fait, il y a des flingues partout. Dans l'ancienne version, tu trouvais jamais d'armes à feu, mais dans celui-ci, tu trouves plus d'armes à feu que de fringues et de bouffe. On est de retour en Amérique, les gens. Hop, je reprends l'autre fusil. Non, au Canada. Ah, oui, bah, le Canada, c'est en Amérique, non? J'ai dit une connerie? Oui et non. Bah, quand même un peu, quoi. C'est le même continent, j'ai envie de dire. C'est les mêmes lois, les mêmes problèmes, les mêmes Bah, passions. c'est. Ouais, enfin. Ça passe. Je sais pas, ils veulent être différents, en vrai. Parce que bon, c'est un peu un pays, quoi, le Canada. Ouais, puis il y a des différences ethniques. Mais bon, après, j'ai envie de te dire. Bon, ils parlent pas pareil. Ouais, ils parlent pas pareil, mais bon, quand t'es lié à un pays aussi badass et bourrin, c'est pas négatif, hein. Ah, j'ai enfin un flingue, j'ai quelques cartouches. Enfin, enfin un flingue, mais j'ai des flingues depuis tout à l'heure, on va rien dire. Je vais faire la blague du société canadien. Je trouve plein de. Bon, je vais virer ce. Je vais prendre le double coup parce que je trouve plus de cartouches de double coup que du sniper chelou que j'avais avant. Je vais reprendre ce double coup qui traîne là. Ok, donc ce petit Bon, mode est pas trop résultat du mal. compte, au Canada, c'est plus facile de tirer un coup que. Que de s'habiller chaud ou de trouver un toit pour dormir. Non, je n'ai rien dit. Donc voilà, bienvenue au Un coup comme Canada. ça. Bienvenue au Canada. Si t'es amateur de tirer un coup facilement, bah va au Toi aussi, Canada. viens au Canada, te vider les couilles. Il y avait pas un. Enfin. Il y avait un American Pie comme ça, c'était un des. Le 5 ou le 6, je sais plus, ou le 7, ça se pourrait. Enfin, c'est pas un des vieux, mais c'est un des plus récents, où à un moment, il trouvait la Bible du sexe et qu'il explosait. Et qu'il y en a un qui disait, ouais, ça, super expérience de cul, qu'ils allaient au Canada, et en fait, c'était une grand-mère, et le mec qui tuait la grand-mère en lui éjaculant dans la bouche, et ensuite, t'avais le fils canadien. Oh mec, il y a des rails de train dans celui-ci, c'est stylé. Il y a de nouveaux trucs. Imagine, tu peux conduire un train dans. Mais ouais, c'était dans. J'ai bon souvenir, hein, c'est dans le American Pie, hein, Comment qu'on. passer du mot éjaculé à un train? Ouais, je me souviens. Et après, t'avais l'autre Quel sorcier? qui poursuivait. Ils ont tué maman! Parce que je sais pas faire l'accent canadien, hein, désolé. Ah, je m'en souviens. En plus, il est raciste. On va Oh, serrer. je suis pas Attention, les raciste. gars.
Je suis inculte. Je suis inculte. Vous n'avez pas le droit de dire que je suis raciste. Par contre, un point pratique de la mise à jour, c'est qu'on peut voir directement quand une bouffe est mauvaise ou pas avant de la ramasser. Ça évite les problèmes de devoir se faire chier 10 ans à la ramasser et puis voir qu'elle est pourrie et la balancer. Hop, petite station. Ah merde, bah en parlant de station essence, ma moto neige est bientôt à sec et j'ai pas de bidon dans le coin. Oh, un cric, ça c'est toujours pratique. Ah, est-ce que ça marche toujours le fait de faire valdinguer un véhicule avec le cric? Roulement de tambour. Oui, ça marche toujours. On peut faire 20 000 tonneaux. Oh, génial, un fer à souder. J'adore. Ici, on trouve directement les objets nécessaires dès le début, les flingues, les fers à souder, tout ça, un peu de bouffe. Alors que dans l'autre, on en chiait 20 ans pour trouver de la misère. Ouais, en gros, c'est ça. Donc, pour expliquer, maintenant, vous le savez, Apocalypse Zombie, faut pas aller dans les autres pays, faut aller au Canada. Wesh. Par contre, j'adore le réalisme du truc. La motoneige, elle va parfaitement bien sur la route. Aucune étincelle, que dalle. Don't care. Oh, un train, justement. Eh, je vais aller le fouiller. C'est stylé. De toute façon, j'ai plus d'essence dans ma motoneige, alors je suis bien obligé d'aller voir s'il n'y a pas un petit bidon d'essence ou un truc qui traîne par là-bas. Voyons voir qu'est-ce qu'on peut trouver sur un train. Alors, au Canada, sur un train, on peut trouver des barres de fer, des clous, posés à même le dessus du train. Ils se font pas chier à les mettre dedans. Et dans les wagons. Oh, une lampe. Oh, je vais tuer un contrôleur de train. C'est trop cool. Pourquoi? Oh putain, il lui faut 2 balles. Alors. Ouais, alors retenez, les contrôleurs de train canadiens, il faut 2 balles pour les tuer. C'est que c'était pas un Jacobs. C'était plus fort que moi, Jay. Je suis désolé. Je suis désolé. Alors voilà. Donc les contrôleurs de train au Canada sont super basés. Faut le retenir. Ah, j'ai plus de cartouches de snipe. Mais j'ai pas un chargeur en réserve. Si. Bon, bah apparemment, il a perdu son fut, le contrôleur. Nice, nice, nice. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce train? Il n'y a pas d'essence? Que dalle? Même marrant parce que tu vois, les gens qui regardent ta vidéo, ils doivent quand même tous se dire qu'il y a un moment où toi, quand tu t'avais personne qui te regardait, tu vois, qui se disait, attends, ce mec, il est trop con, il se parle tout seul en fait. Bah ouais, littéralement, bah je... Non, bah imagine, si jamais on n'entend pas ta voix sur le record, on peut vraiment croire que je parle tout seul, oui, effectivement. Bah en même temps, je Je parle parle pas tout seul, vraiment... mec. Je parle tout Je parle dans seul. ta tête, moi. Ah, je suis fou. Oh, j'ai trouvé une masse, c'est trop cool. Bah en fait, quand tu penses réellement, quand tu parles du truc en lui-même, je fais des records pour l'instant, je suis pas du tout connu, je dois avoir qu'un seul ou deux, trois mecs qui regardent vraiment mes vidéos et qui m'écoutent, sinon on peut littéralement dire que je parle tout seul, oui, effectivement. Parce que si on faisait un live maintenant, si on faisait un live là maintenant tout de suite, il y aurait personne qui le regarderait. Ah. Oh, je viens de faire une découverte de l'année. C'est un tunnel de train effondré. C'est pour les clochards. Oh, bah c'est parfait, j'ai trouvé ma maison! Et comme de par hasard, j'ai pas ramassé le lit de camp qu'il y avait là-bas. Donc je peux pas. Ah, bah c'est la limite de la map, donc va te faire foutre. Ok. Je dirais bien que je me construirais une baraque. Est-ce que je me construis une baraque? En plus, j'ai une hache. Oh, j'ai la flemme, j'ai la flemme. J'explore rapidement cette nouvelle map hein, pour le fun. Mais je pense que j'ai un peu rapidement fait le tour. Hein. Nouvelles armes, nouveaux véhicules. Bon, après, j'ai vu que des motoneiges. Ça aurait été chum d'au moins trouver un petit 4x4 ou. Mec, imagine un beau tank avec des schnitz, c'est carrément. Ça aurait été chum. Jamais content de ce qu'il a pas. Oh, je suis que ah, je suis jamais content, moi, c'est comme ça. Rien à foutre. Oh, l'autre. Bon, ça, après, c'est déjà cool d'avoir trouvé une motoneige. Hein. Bon, après, j'ai dû tuer pour me trouver des vêtements. Avec ma couleur Là, de c'est peau ça, quand on est verdâtre. clochard, on n'a pas de sous. Non, parce que, hé, tu sais, je suis un clochard, j'ai pas de sous, mais j'ai un chapeau de forme et des lunettes en or, tu vois. Ouais, faut chercher. Ouais, la logique du jeu, tu sais. Le mec, il meurt de froid, mais il a un chapeau de forme. C'est pour la classe. Autant crever en ayant la classe, tu sais. Par contre, j'adore dans ce jeu-là parce que même quand tu mets la vue à la... Ouais. Bah, tu sais, tu mets la vue à la troisième personne dans ce jeu-là, il tient le flingue au travers de son épaule tout le temps. Braqué comme ça, avec la tête fusionnée à l'épaule presque. En mode, oui, c'est au cas où un ennemi super loin serait là, je vise à longueur de journée.
Bon, c'est pas réaliste, mais on va rien dire. Le mec, il a l'œil, quoi. Ah ouais. Bah, je sais pas s'il a l'œil, justement, parce qu'il s'est pas tiré à la hanche. Hein. Il a même pas de hanche. Oh, bah en parlant de ça, on va essayer de faire un petit En fait, c'est un sniping. illettré, tu vois. J'ai réussi mon sniping, et oui, je pense que c'est un illettré. Deuxième Et s'il a craqué sniping. l'épaule, c'était la hanche. Boum! Quand tu Double lui en parlais, headshot à dis, grande tu t'es distance. déjà fait déboîter la hanche, il a fait oui. Oh mec, t'imagines, tu demandes ça à un pote un peu con comme ça et il comprend pas et il te dit oui parce qu'il a tiré avec un flingue. Je sens une Je enfance pense que désœuvrée. je le tape. Je pense que je le tape aussi. Ah, de la bouffe. Un bonnet. Comment ça, il n'y a pas de place? Tu poses la question après, tu vois. Quoi? T'as dit quoi, Mais Jay? je dis, je le tabasse, mais je pose la question après de savoir pourquoi. Ouais. Puis il te fait bien quoi, j'ai tiré avec un fusil. Ah. Désolé. Ouais, justement, c'est ça, c'est le mot fusil. Ouais, il s'est fait tirer dans les hanches. C'est ça. Bah écoute, je pense que Dans les hanches. j'ai fait le tour de cette map en fait. Que dire de plus? Après, Déjà? bah ouais, après ça reste le même jeu quoi. C'est toujours construire des armes et tout ça, mais on va dire que sinon la map est très répétitive. Tout ce que j'ai trouvé, c'est. Mais j'ai pas trouvé de carte. Attends, bah je suis con, il y a la carte maintenant dans le menu. Information. Ah, voyons voir. Ben Donc oui. tout ce qu'on a, c'est une seule ville. Le lac gelé. On a Mountain Logan. Je vais limite, je vais aller essayer d'aller voir les deux derniers bâtiments que j'ai pas regardés. Il y a peut-être un campement au bout du truc là-bas. Je vais aller voir ça. Parce que, histoire de montrer quelque chose un peu, hein. Parce que sinon, dans la zone que j'ai explorée, j'ai trouvé que des cabanes indépendantes, pas beaucoup d'armes, à part, ben, j'ai trouvé les trois mêmes armes en boucle, hein, c'est-à-dire deux fusils de chasse, un semi-automatique, un à loquet, et le fusil à double coup. Sinon, les zombies, c'est tous les mêmes, c'est des Canadiens avec un bonnet et une chemise rouge qui rampent à terre pour la moitié d'entre eux, en tout cas. On croit que, en fait, à cause du froid, leurs jambes ont pourri et qu'ils rampent tous. Donc voilà, Alors que les 100 Canadiens, ils savent pas marcher parce qu'ils sont trop Il y en a quand même qui marchent. Mais Jason, ce commentaire ne va pas être très bien pris de la communauté canadienne. Et si jamais le commentaire n'a pas été entendu dû au mauvais raccord de recordage, bah, tant mieux pour son cul. Parce que je ne répéterai pas l'insulte qu'il a dit. tabernacle. Tabernacle. Oh là 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 là. Avec ça, putain, j'aurais quand même aimé retrouver une motoneige pour aller. Parce que là, je suis en train de marcher comme un guignolo et j'ai plus d'endurance, donc je ne sais plus Pour sprinter. les tuer des Canadiens, mais t'es vraiment un bâtard. J'ai tué des Canadiens, je leur ai volé leur motoneige, et maintenant je me balade. Je suis l'homme vert en plus, parce que je me suis fait camo, mais c'est une map de neige, alors qu'au contraire d'être camo, je suis super flash. C'est genre moi à l'airsoft, tu vois. En Ouais. costume de renard. Avec ton Faut bonnet, trop avec essayer. la grosse tête de mort. J'incarne Jason dans cette Léger avec la partie. cible. Ah ouais, en fait, c'est ça, je l'incarne. Je bute des Canadiens et je suis super flash. J'incarne Jay sur cette partie. J'ai jamais tué de Canadien, c'est un menteur. Je vous jure. Il l'a fait réellement. C'est Ah un bon, si j'ai déjà voulu, je dis. Après, je suis sûr qu'on a déjà tué un Canadien dans un jeu en multijoueur. Sûrement. Alors, je vais bientôt arriver à Mount Logan. Au Mont Logan. Oh putain, ça se trouve, c'est juste le nom de la montagne que je suis en train d'escalader et il n'y a rien au-dessus. Ah, si, il y a un truc de ski. Il y a une station de ski, c'est chum. Oh, imagine, dans le jeu, il aurait foutu des skis. Et tu prends les skis et tu glisses. Par contre, j'ai trouvé une motoneige au moins. Donc Les voilà. skis, ça aurait été vachement nul, hein. Bah, nul, mais ça aurait été marrant. Le principe du truc, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'on Ouais. peut trouver dans la station de ski? Un chocolat chaud? Un petit chocolat chaud? De la glu? Des livres? Et des grands bâtons en bois? Bon, ben. Je peux pas savoir ce qu'ils font avec. Ouais, oh! Sauf une fois au chalet! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, on a trouvé le Tout chalet! est lié, mec. On a trouvé le chalet, tout est lié! Et pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir What the Cut. Bon, au moins j'ai une motoneige et je vais aller plus vite pour Vas-y, mec, rejoindre. comment il fait de la pub? Rien à foutre, j'ai le droit de faire de la pub à quelque chose d'intéressant. Bon, je me dirige vers Ok, la bah bonne dans ce cas, route. allez voir PewDiePie, il est génial.
Non, non, mais on fait pas de la. Tu fais pas de la pub à la concurrence. Foiré. Moi, je fais de la pub à quelque chose qui n'a rien en rapport avec ce que je fais. Je dis pas, techniquement, à notre concurrent. Enfin, on peut comprendre ça comme un partenaire. On va dire, il fait la même chose que nous, il fait des gameplays. Sauf que lui, il est connu et il est riche. Nous, on n'est pas connu. Enfin, ça se trouve, tu sais, dans 20 ans, il y a un mec qui fera. Mais putain, si, t'es connu, abruti. Mais pour l'instant, on n'est pas du tout connu. Ouais, ou alors, non. Non, peut-être jamais, on s'en fout. Moi, je m'en fous, je le fais pour le fun. Oh, la base que je viens de trouver, il y a des grandes serres en verre. Oh, je viens de tuer un mec qui avait une combi radioactive et un masque à gaz. Oh, c'est stylé. Oh, j'espère que je vais en trouver une. Bah ouais, mais on sait pas dépouiller les cadavres dans ce jeu. Oh mec, lol, il y a des zombies dans des grandes serres en verre. Avec des arbres et tout à l'intérieur, ça fait genre la cabane de Sandy dans Bob l'éponge. Ouais, je sais, la comparaison est super, mais Je vais aller les buter, ces écureuils. Oh mec, il y a un hélico. Imagine. Ah non, si c'est comme dans l'autre, il décore. À mon avis, il doit décorer. Ah, je vais le tuer. Ah, c'est pas des zombies blindés, les zombies radioactifs. Ah, fuck, j'ai plus de balles. Oh, fuck. Vite, 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 je vais me grouiller d'aller changer d'arme. Ah! 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 Oh putain! Il y a un zombie géant! Oh non! Je suis mort de saignement parce qu'un zombie géant m'a pris par derrière! C'est dégueulasse! Oh, fais chier! Je te bien là! Pourquoi il y a un zombie géant quand j'en veux pas? Alors que l'autre fois, j'ai fait une vidéo où je voulais faire le défi du méga zombie et je trouvais aucun méga zombie. Là, je veux pas en trouver, j'en trouve un! LOL! Allez, je respawn. Ah ben, est-ce que je suis à côté de la base? Oh mec, avec ça, je suis à poil et je vais mourir de froid! Fais chier! Vite, faut que je trouve des Alors, on sapes. a un choix. Putain, quoi, c'est quoi cette vidéo foireuse? N'importe quoi, quoi. J'adore, je m'équipe à peine de mon fusil double coup, l'autre, il a limite popé dans mon dos, je sais pas d'où il est sorti, je l'avais pas vu arriver, quoi. Dégoût. Dégoût total. Bon, est-ce qu'il y a des fringues dans ces containers? Il n'y a pas un. Oh bah. Non, c'est de la merde. J'avais un espoir. Ce sera Ah! une grosse déception. Il n'y a pas des. Ah ouais, Ah oh, putain! Un chien! Coup de marteau dans ta gueule! J'ai déjà assez dans la merde comme ça! J'ai tué un chien à coup de marteau, est-ce que c'est illégal? Allez, drop un fringue! Oh mec, le marteau ça va bien, on peut limite les paralyser en les tapant super pendant longtemps. Putain, il n'y a pas des fringues dans cet bon, endroit c'est là. bon, t'as dit drop un fringue. Drop un vêtement, un fringue. C'est ce que j'ai dit. Ouais, je sais, je suis toujours un illettré, je t'ennuie. Ouais, c'est pas un fringue. Drop des fringues, oh ça va. J'ai le droit Parce de. que. J'ai le droit d'être bête. C'est, Bon. on aurait dit que tu voulais dire drop un flingue, tu vois, mais. Mais que ma langue avait fourché, c'est ça? Voilà, t'étais là en mode drop un flingue. Non, c'est un flingue, un fusil, quoi, mec. Ah, d'accord. Crève, enfant de Satan! Hardware, c'est sûrement pas là que je vais Non, trouver des c'est mon fringues. père, il a divorcé. Oh. Mais t'es quand même son fils. Ah, je t'ai baisé! Est-ce qu'il y a le chauffage dans une bagnole? Non, tu crèves quand même. Ah, mais je me fais bouffer là! Parce que le Japon. Oh, allez, je suis encore mort. Ça doit être la game où je suis mort le plus de fois dans ce jeu, quoi. Bon, j'ai respawné où, moi? Oh, bordel. L'autre bout du trou du cul du monde, là. Fais chier, j'avais joué. Bon, je pense que cette Oh, vidéo va ça se va, je terminer de t'ai façon sans merdique, hein. Je fais de n'importe quoi. N'importe quoi. Voilà, je suis à poil, dans la forêt. Ça pourrait être le titre d'une Bah ouais, on est à musique. poil, Mais pas trop. c'est le titre d'une musique du donjon de Nullbuck à poil dans la forêt. C'est leur groupe. C'est le nom du groupe à poil dans la forêt. Je viens de caler. Je disais de la merde là. Il refait de la pub. Il refait Oh, de la pub. oh, j'en ai rien à Il foutre. fait de la Je fais de la pub aux choses que j'aime bien. Ouais, Bon, si, bah, tous. je vais encore crever parce que je sais qu'il n'y a pas de fringues dans la station essence près de laquelle j'ai spawné. Et ben voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette petite vidéo découverte.
santé, de la nouvelle map de Unturned. À mort! N'hésitez pas à commenter, liker et publier pour voir d'autres zombies me manger les fesses. Et si ça vous a plu, bah, mettez un pouce. Bien sûr. Bah quoi? Les gens aiment ça, me voir prendre cher. Ah! Et voilà, je suis mort! Ah! Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à aller voir d'autres de mes vidéos, ou celles de Ninjake, parce que ce mec aussi fait des vidéos bien fun, on fait des vidéos en groupe et tout ça évidemment. En tout cas, bonne journée, à plus.